du prophète Joël Flachot, qui nous a fait un don de 150 000 francs. 100 000 francs aujourd'hui, c'est même 50 000 francs. La prochaine fois, ça a été alors, chef, qu'est-ce que vous sentez? Les sentiments sont très élevés. Nous sommes beaucoup contents du geste que Joël Flachot vient faire pour le village. Le don est tellement béni. Parce que c'est un homme qui est béni, il est dans le canal de l'éternel Jésus-Christ. Dans son ministère, il est en train de combattre pour vraiment amener les hommes à la réussite dans le futur. Donc nous sommes vraiment très contents ce matin pour lui dire merci. Sans fin. Alors il a parlé des élèves qui vont en sixième. Alors est-ce que cet argent sera utilisé comme il se doit? Tout à fait. Merci. Tout à fait. Alors, donc, quels sont les projets encore une fois de plus de droit par rapport à son école? Bon, les projets que nous avons notre dispensaire ici. On avait déjà suggéré ça. Mais pour le moment, comme nous sommes en face de la rentrée, c'est pour ça aujourd'hui que nous parlons de choses à l'élève. Après ça, cette étape, nous allons parler de notre dispensaire. Monsieur le chef, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, je vous dis, monsieur le journaliste, d'abord, je vous remercie d'avoir arrivé dans mon village avec le professeur Crasson et son équipe. Donc, grandiosement, je vous dis merci et bonne arrivée. Merci. Ah, bonjour. Vous allez vous présenter? Et je me présente, je m'appelle Jean-Michel. J'ai été porté au niveau de l'école OGS, le OGS au 4 janvier 2014. Alors, vous venez de recevoir également du prophète de Crasson. Mes impressions tellement énormes. Et vraiment, je ne sais même pas comment, manifester ma joie. Parce que pour une première fois dans l'histoire des droits, j'ai été porté au niveau de l'école des droits et je viens de recevoir un don de 150 000 francs de le projet. Vraiment, je remercie encore comment. Pour ne pas me faire répéter, je remercie le professeur. Mais dans l'école des droits, nous avons beaucoup de choses à faire. Vous savez, de la même manière, je vous prie, parce que vraiment, que vraiment qu'il développe l'école des droits, afin que. Par son canal, vous me recevrez en cette partie du Côte d'Ivoire. Les mots me manquent. Je dis merci. Mille fois merci. Vous avez dit tout à l'heure, ça a dit que beaucoup de choses qui restent à faire. La question est bien pour nous. La réalité, nous marquons de vos chemins. Très important, c'est une question qui est bien venue, parce qu'au temps où les gens donnent les solutions, moi la situation, je ne sais pas si tu veux faire le mot, parce que mon système qui est là, mais la petite somme seule là, tout à l'heure la situation, le coup j'ai appelé, on a essayé de frapper déjà, pas content à en faire. Donc, pour l'instant, il y a eu des gens qui ont géré l'école. Mais moi, à mon niveau, je suis bien placé, un prophète est venu, je dois être prophète. Je ne peux pas rentrer dans les détails, celui qui a fait quoi, celui qui a fait ça, par rapport à la communauté du ministère, mais que le prophète m'aide, parce qu'il n'y a pas vraiment, comme il veut, il a commencé, qu'il m'aide. Je veux le faire de la voix, de grâce, à Dieu. Un motif de gestion de cette famille. Très différent. Mon frère, très important. Cette compagne, je viens de me dire, ne m'a pas fait passer. Je dois faire taire. Devant le chef du village, devant le directeur de l'école, devant tous ceux qui gèrent l'école, comment on doit procéder à la partition de la somme que le prophète a donnée. Si il faut qu'on donne une partition, ce ne sera pas du sable. C'est la partition de l'éducation. Ensemble, nous pouvons gérer et la population de droit va gérer ensemble.
tant que il me reste 50 000 francs, tant que les 50 francs ne sont pas rentrés, je ne peux pas gérer, en tout cas cette somme. Et ensemble, le village, l'école, nous avons tous. Je remercie le prêtre, afin qu'il m'aide et qu'il aide. Aujourd'hui, les églises sont là, par sa justice. Qu'il continue, qu'il s'aide là, afin que l'or passe. C'était pas comme ça.